أزال تسعة مسلي تيمات ذو سلمد أنت مسني وينكسو مثلا أكت مسليين النظام خطر مازال يقيم مستقسي ثم زيخسا أوبجي ديتود نا أسكا تنغار نغار في اللاس نا أتنستخدم تنصغر مثلا الصغار أنت مسني وين النظام مازال أنا مرانا وذكا عرفتي تقول أثيني شوف أنت كي نطيق أنت مسليين إلا أدرسيو لي مسنة ولا عن تدفرون من زمر إيمان النغثورة ثم زيط ما زمر إيمان نس لحالة كنتورة خطر نسل ما سدورة لك إسعى ثم غلين وصغان إن فيزيون كريتيك أرث مساد يضرع نزمر أنسى عرق في مسنوين نظن نغثي مسلين نظن غين يعني أن تسنى نغذي السلاوي نغذي بغرفاز استمى زيط لحالة نسى الساعة إنك دقيقة سيمسلك عبد مسلي في لس تفاصيل ضام مو تعطي الغرس محتي ما أطلع خطر لنت مسلي لقد زورة غولا في الشوارع دي صوفي السكر أسلم إنك مس دوراري أول أروح ثم مثلا إنك سيتزور سيتزور أي نوكاسيون كي لا 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 célébration de la journée internationale de la langue maternelle. Je ne vais pas faire l'historique, ça ne sert à rien. C'est une effet de Kulna. Il a déjà dit, mais donc, nous connaissons le volet militant de Sardes, c'est-à-dire le volet militant pour la reconnaissance de la langue maternelle, etc., qui a posé la première fois au Bangladesh, bien évidemment, on n'y est plus. En Algérie, on a dépassé ça, on est à un autre niveau. Le niveau que je pose aujourd'hui, c'est un niveau qualitatif. Il n'est pas au niveau de la grande quantité des grandes décisions. Non, la grande décision ici, c'est de reconnaître définitivement que, pour Tamazir, mais pour les Algériens d'une manière générale, nous avons des langues maternelles. Nous n'avons pas une langue maternelle, nous avons plusieurs. Donc, et ces plusieurs, c'est-à-dire, nous avons les variétés de Tamazight et nous avons bien évidemment les variétés d'arabe algérien. La difficulté se pose au niveau de la conception des gens qui font de la recherche, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils admettent ce que nous appelons dans notre domaine de la sociolinguistique, ce qu'on appelle le répertoire linguistique réel. Il me plaît ce mot, c'est un néologisme qui me plaît. C'est-à-dire, de la réalité. Ainilène de la réalité, ce n'est pas le Tamazight. Le Tamazight. Il n'y a pas l'arabe. Il y a un groupe de variétés qui s'appelle, évidemment, un groupe qui s'appelle Tamazight. Et nous avons un autre groupe qui s'appelle arabe, mais Mishi Kif Kif. Il y a un arabe algérien. Et nous avons les autres variétés d'arabe. Il a l'arabe classique. Donc, dès le départ, j'avais posé le problème sur la pluralité. Or, précisément, sera dans le monde entier. Il fête la journée hier de la langue maternelle sous l'angle du pluralisme linguistique et du multiculturalisme. C'est-à-dire qu'il y a un seul peuple, c'est le peuple algérien, mais tout en étant un seul peuple, le peuple algérien, on a des différences, on a des spécificités régionales, linguistiques, culturelles, physique, il y a des gens qui sont blonds, des gens qui sont roux, des gens qui sont bruns, des gens qui sont noirs, et tout ça, ça fait partie de notre histoire et de notre race. Donc, toute la question aujourd'hui, c'est de faire accepter ça définitivement et en disant que c'est ça la réalité et c'est pas quelque chose de mauvais que l'on soit comme ça. Tous les peuples de la planète, en réalité, sont comme ça. Et c'est la vision idéologique. Tawhid, il a annihilé Akniwen. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous sommes déjà 44 millions. Nous avons 2,5 millions de kilomètres carrés de notre Algérie.
c'est le pays territorialement le plus grand d'Afrique. Comment voulez-vous que celui qui est à l'extrême est peut être exactement comme celui qui est à l'extrême ouest, et celui qui est au nord, il est exactement le même que celui qui est au sud? Il faut 2 heures d'avion pour arriver à Tandrast, alors qu'avec 2 heures d'avion, on est à l'aéroport de Heathrow, donc on est en Angleterre. Vous imaginez un peu la vastité de notre pays. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir l'esprit, peut-être autant que territoire. Alors, puisque vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance. Voilà ce qu'il y a. Et ça, c'est les linguistes et sociolinguistes qui peuvent le faire. Et les linguistes et sociolinguistes qui font chita, parce que l'air d'as, mais si vous avez ni, il a fait ni, il faut avoir le courage de ses idées. Donc il y a 2 critères. Le critère, c'est l'obéissance à la méthode scientifique, et non pas ce que te demande ton chef. Deuxième chose, ça s'appelle l'éthique de la recherche. Il a fait ni, il faut que la recherche, il a ni, il a ni, ماشي غير سكي تبغى غادي نهض روحا قلبا غنادر وفيها يا نغايا سي كوم ان سيرتان ايبون كوم مونتي ابروبو دو تمازيغ غتقارن باللي يا بي دي بوتيت ديفيرونس اكين يون سي قبايلي سين كان قبايلي اكين روحا غادي شوي نسفر مع يسن المحال يفان مو جي اون ما تيلمون ميسا دون ما تيت كو جي تي فيريفي ان 86 1986. J'ai voyagé chez les Chaouiens, je me suis fait inviter chez des familles, et j'ai vu que grosse différence. La différence, elle est naturelle, la différence. Déjà dans le français, regardez le français de Paris, le français de Marseille, le français canadien, le français suisse, le français, etc. Il y a une différenciation et c'est absolument naturel. Donc je vous dis, de la méthode, obéissance à la méthode scientifique, et la méthode scientifique, elle est connue pour les gens qui sont dans le domaine. Et la deuxième, c'est l'éthique de la recherche. Il ne faut pas, ce que vous ne trouvez pas dans vos recherches sur le terrain, dit-il là donc il faut travailler sur le réel. Donc le réel chez nous, c'est dans toutes les questions sur lesquelles nous travaillons, c'est le pluriel et le multiple. Donc il y a plurilinguisme, il y a pluriculturalisme. On ne peut pas dire que la culture d'un citoyen mozabite, elle est la même que celle d'un kabyle, ou celle d'un kabyle et celle d'un chaoué. Il faut qu'il manque de communication. Et je me rappelle, vous vous rappelez probablement, quand il y avait le changement des programmes de Mme Bababret, quand il était ministre, alors, il avait décidé d'écrire les formules de mathématiques à donc les écrire de droite à gauche. C'est ça le problème. Alors qu'il suffisait tout simplement de connaître l'arabe et la tradition arabe. Quand tu dis 1954, c'est-à-dire qu'on les lit de droite à gauche. Les Français ont écrit en 1954. Ils commencent par les 1000. On va dans les centaines, on va dans les dizaines, etc. Et les unités. C'est-à-dire, en fait, le chiffre est différent. Kif, kif. Al-Sormis, c'est 1954. Stars, tu le lis de droite à gauche. C'est-à-dire, c'est les gens qui sont complètement ignorants. C'est ce que Mohamed Arakon appelle l'ignorance sacrée. Parce que Sinara, elle s'est gagnée de l'mouchkine. Mais tu dis l'mouchkine. En plus, la formule des mathématiques, il a été lisible chez nous et chez les autres peuples. Et comme on sait très bien que nous ne sommes pas les premiers producteurs dans ce domaine, il a été lisible chez nous. Mais tu dis nous, 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 nous,
Donc, pour l'instant, on est de mauvais élèves d'ailleurs, ce n'est même pas des élèves, de ce que produit le monde occidental. Donc, il faut lire dans d'autres langues. Si vous êtes, vous produisez en tamazight, entre guillemets, vous faites une grande invention dans le domaine des mathématiques, comme celui qui a réglé la conjecture de Poincaré, je crois, à Gaïs. Il l'a fait en anglais, parce que le point de vue de maîtriser la langue française. Et nous avons chassé la France de l'Algérie grâce à la langue française. Mais tu sais, il n'y a pas un seul texte de la révolution algérienne qui a été écrit en langue arabe. Ils ont eu même de grosses difficultés, je dis bien, de grosses difficultés à traduire la déclaration de novembre, elle fait 2 pages, vers la langue arabe. Ils ont eu de grosses difficultés. C'est pour vous dire, l'arabe n'a pas participé du tout, du tout, du tout. Ben, les Taqvaïlis, à Koutara Sagilzaïa, c'est vrai, elles ont aidé, parce qu'elles ont aidé, oui, les champs patriotiques, mais pas seulement, à définir l'individu. L'individu, il savait, mais il ne s'est pas dit d'arôme. Hein? Même si à un certain moment, par exemple, l'Héroïenne à Guinée, c'était le parangon de la beauté, qui est à Guinée, je ne sais pas, ça romain. Dans l'Héroïenne, là, c'était le parangon. Enlever une histoire linguistique, c'est-à-dire un cumul de savoir linguistique, mais aussi encyclopédique, c'est-à-dire les connaissances, c'est-à-dire ce système de connaissances, quand il s'exprime en langue française, moi je parle plusieurs langues, quand je parle en français, dès que je me lance en français, après la troisième, quatrième phrase, c'est-à-dire dans ma tête, il s'active des réseaux neuronaux qui me rappellent, donc branchés à ma mémoire, qui me rappellent les connaissances, etc. Donc il y a des circuits, c'est des neurobiologiques, où tu ne peux rien faire. À quel endroit ? Quand je me mets à parler en anglais, c'est différent. Quand je me mets à parler en arabe, ça change, etc. Donc on ne peut pas changer à l'échelle d'un État comme ça. On décide de lire et qu'il fasse remettre. Elle veut donc m'intégriser. C'est pas comme ça que ça se passe. Et les enseignants, on ne peut pas les former en 6 mois pour parler une autre langue. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et ça m'étonne, même avec l'intelligence artificielle, qu'on puisse. Parce que l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle fait, l'intelligence? C'est un programme. Il lit un texte plusieurs fois et à chaque fois, il essaie de produire. Quand il y a des erreurs, il corrige les règles et il s'améliore. C'est comme ça qu'il fait. Donc, il fait comme la mémoire d'un être humain, il s'améliore sur le long terme. D'accord. Donc, c'est pas possible. Vous voyez, quand je parle des langues et de la politique linguistique, je parle de ça. C'est-à-dire, une nation complète, on la coupe de sa mémoire linguistique, mais aussi de sa mémoire en termes de connaissances. Donc, j'appellerai à l'occasion mémoire cognitive. Un modus vivendi. Il a fait 9 ans qu'il a chacun va se sentir bien chez lui. Parce que à quoi ça me sert de savoir X ou Y qu'il est malade, il vit mal, etc. C'est pas intéressant. Au contraire, qu'il est vrai, que tous les Algériens, ils vivent bien, etc. Donc, j'ai parlé du système éducatif, j'ai parlé des connaissances, j'ai parlé de l'économie, j'ai parlé de la nécessité des langues. Maintenant, c'est pour aboutir à la fin, à démontrer, mais les sans un appui sur les langues maternelles, tout le château que nous allons construire sera un château défectueux. Je pourrais vous donner des anecdotes en cours de route par rapport à cette question. Mais la langue, elle a un lien avec notre cerveau. Et le cerveau fonctionne nécessairement avec une langue. Il n'y a pas de pensée sans langue.
Donc il faut une langue, sinon on ne peut pas... Donc la langue, comment elle fonctionne dans le cerveau, je vais vous donner deux images. Bon, le cerveau, c'est un outil de la pensée et de la connaissance, évidemment. Comment ça fonctionne avec la production de la connaissance. Je vous donne ce schéma qui est très utilisé par les PNListes, les gens de la programmation neurolinguistique. Mmh. Alors, il faut que je précise d'abord que la PNL n'est pas une science. Quand je dis que ce n'est pas une science, ça veut dire que ce n'est pas n'importe quoi. Mmh. Il y a un ensemble d'expériences et un ensemble d'emprunts à d'autres sciences. Donc, ce que je vais vous montrer n'a pas été démontré en soi dans le cadre de la PNL. Il a été démontré ailleurs. Il a été démontré comme... Je vais citer, vous allez remarquer que je ne vais pas laisser les choses passer comme... Le schéma Yéyéné est un film dans n'importe quel livre de PNL. Je crois que c'est le premier qu'on met tout à fait au départ. Et il représente quelque chose qui me semble très correct, c'est-à-dire scientifiquement défendable. Donc c'est, disons, c'est une personne humaine. On l'imagine que c'est un enfant. Enfin, un enfant, c'est-à-dire, il est très jeune, il n'a pas encore la langue. C'est-à-dire, c'est pour voir comment la langue se constitue dans notre cerveau. Et en quoi son statut est un statut qui est fondamental. Je parle encore une fois de la langue maternelle. Le bébé, déjà, dans la position intra-utérine, il apprend la langue. Il ne nous en a rien instant, mais quand il est dans le ventre de sa mère, elle est joyeuse, etc. Ça change dans son ventre. Et le bébé qui est dans le liquide amniotique, il sent. Et pour lui, déjà, il rentre dans ce qu'on appelle le symbolisme. Parce que sans le symbole, il n'y a pas la langue. Donc il rentre déjà dans le symbolique. Il est déjà dans le symbolique. Il apprend la langue, les sons de la langue, il les entend. Les cris, il les entend. Les rires, il les entend, etc. Donc, dès le départ, il est branché sur la langue maternelle. Vous voyez un peu le statut de la langue maternelle des choses. Bon, je vous fais j'ai repris le schéma parce qu'il me plaît, parce qu'il est pédagogique. Il y a des parties qui sont peut-être un peu... Alors, vous avez un parrainier, c'est lui le sujet qui apprend, qui utilise la langue et qui l'apprend en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on voit dire? S'il y a le conscient et le subconscient. Ça, c'est de la psychanalyse, évidemment. Mais la psychanalyse elle-même n'est pas une science prouvée. Donc, on dit que la psychanalyse est un système, si vous voulez, d'idées, de doctrines, etc., qui sont quand même assez intéressantes. Ça s'imprime dans le conscient. Il y a l'expérience subjective et il y a les valeurs et les croyances qui s'impriment en même temps. L'un qui a 60 ans, c'est le Warzen. Il y a des gens qui croient encore.